Alors évidemment, bonjour à tous. Il y a pas longtemps, je vous ai demandé... Il y a pas longtemps, je vous ai demandé sur Facebook de me partager la photo la plus gênante que vous ayez de vous sur votre téléphone. Et j'ai cru que personne n'allait participer, mais c'est pas le cas. Il y a quand même 2200 personnes. Je n'ai pas encore regardé ces photos, je le fais maintenant, c'est parti. Lily, mon papa hongrois qui connaît absolument pas Jules, qui fait son signe, la fierté dans son regard me trouble. Ouais. Après, ce qui est plus gênant, c'est la vieillesse de cet ordinateur. Ou ce short. Ou ce tapis mouton. Tout est gênant sur cette photo, en fait. Ma tante cherchant à imiter mon magnifique visage anesthésié après une dent arrachée. Il faut dire que globalement, ça donne envie de t'imiter. Ce moment gênant où tu ouvres la caméra frontale en vaillant. Oh, la tête. Allez, on fait vite fait l'exercice. On compte les mentons. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un problème qu'on connaît tous. Désolé, Pierre, on était sous avec Adrien, on le refera plus. Attends, c'est... C'est quoi cette photo? On est dans cette pièce-là. C'est un ami à moi qui est dans cette pièce sans que je le sache. Très bien. Regardez Romain de la chaîne Tech News et Test. Il est gênant. On va pas se le cacher. C'est quelqu'un de gênant. Le bon visitage des vacances. Je comprends pas, on dirait une déco de mariage. Ah non, c'est du PQ. C'est la première fois qu'il y a autant d'amis perso qui participent à ce jeu. Ça, c'est mon ancien colocataire quand j'habitais à Nancy. Je me rappelle très bien, c'est moi qui lui avais appris à se maquiller. C'est Florian Nguyen. Vous connaissez peut-être. Les youtubeurs sont très gênants de manière générale. C'est ma podcast. Voilà, c'est gênant aussi ça. C'est pas la photo qui est gênante, c'est le fait qu'il me suit sur Facebook. Je rigole. Petite parenthèse, je vous avoue quelque chose, on est samedi soir et je suis pas sorti pour tourner cette vidéo parce qu'après j'aurai plus le temps. Il est 22h09 et comme c'est bientôt Halloween, tout le monde doit être en train de fêter ça. Mais moi je n'ai pas besoin. J'ai tous les monstres qu'il faut dans cette vidéo. Quand t'es stagiaire dans un hôtel à l'étranger mais qui sont pas de tablier pour toi. Oh le pauvre. Et regardez, il a un collègue de bureau ici. Mon grand-père voulait me prendre en photo mais puisque je ne souriais pas, ma grand-mère a agité un paquet de chips devant moi et j'ai voulu rigoler mais c'est parti en couille. Oh, c'était un bon gros bébé, hein. C'était pendant un shooting photo romantique et féerique, mais quand on me prend en photo entre deux poses, c'est la cata. C'est ridicule. Bon bah on va pas se concentrer sur le visage, hein. C'est juste pour une petite vignette, ça. On était entre potes en vacances, légèrement alcoolisés, et on a fait la rencontre d'une tondeuse. Je vous laisse deviner la suite. Je suis désolé, mais moi s'il y avait une tondeuse qui me tombait dessus en soirée, c'est peut-être la meilleure chose qui pourrait m'arriver. Peut-être la meilleure chose. On est d'accord que Lucas, à 7 ans, tu as plus d'abdos que moi. Cette photo est peut-être gênante pour toi, mais elle est beaucoup plus pour moi. Très bonne méthode pour glisser un secret. Petit séjour en Croatie. Mais... Ah, un micro. Ça va, c'est un micro pénis. Bah oui, mais j'aurais peut-être mieux fait de sortir ce soir. Je savais de toute façon que cette vidéo, ce serait l'occasion de montrer de jolies demoiselles. De très jolies demoiselles. Quand tu fais un week-end d'intégration, que ton déguisement est un peu trop réussi. C'est quoi, les deux mecs se sont déguisés en filles? Ah non, pardon. C'est pas moi, mais un pote. Donc là, il balance le nom de son pote. 15 ans, adore fortement les glaces à la couleur noire et de préférence représentante un... On va arrêter ça tout de suite. Je crois qu'on va en rester là. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour une vidéo dédiée à la Toussaint. Voilà, j'ai envie qu'on se marre demain. On va parler des morts. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va passer une semaine de folie. Partez.